aujourd'hui on se retrouve pour le coffret Dracaufeu GX. Je suis un peu habituée avec les GX, c'est Dracaufeu X. Voilà, il faut que je m'habitue. Donc on va ouvrir ce grand machin. Maman à côté, c'est ton poté, hein. Donc c'est parti, je ne sais pas comment on peut l'ouvrir. Désolée si vous voyez rien, hein. C'est qu'en fait je me mets à faire la vidéo à je sais pas quelle heure. Il est quelle heure? Non mais sérieux, il est quelle heure s'il te plaît? 9h. Voilà, je demande parce que, voilà, comment dire, je fais la vidéo à n'importe quelle heure. Je l'ouvre, vous voyez derrière mon terrarium, là où il y a mes lézards dedans, parce que j'arrive pas à l'ouvrir. Comment dire, c'est impossible à ouvrir ce machin. Je galère autant à ouvrir un coffret. Voilà, c'est bien, c'est mieux comme ça. Donc voilà, sans ce gros plastique que je vais mettre sur le côté. Donc voilà le premier plastique dans le vide simplement. On va enlever la petite carte qui se trouve là-dedans. What, comment on peut l'enlever la carte là? Rends-moi la carte! C'est ma carte! Voilà, ça je peux le mettre sur le côté. Donc voilà, nous avons une magnifique carte Dracaufeu X. Elle est trop belle, elle brille. Elle est trop jolie. Donc là, ils mettent pas que c'est une primo. Donc désolé si vous m'entendez fort. Mais là, ils mettent pas que c'est promo. Je sais pas. C'est joli en tout cas. C'est une très belle carte. Donc derrière, on peut aussi apercevoir la tête de mon chat. Hein. Enfin, cette petite patte blanche là. Ici, là. Ouais, le truc blanc là. Avec le petit machin gris, c'est mon chat. Donc bref, cette carte, je vais la mettre sur le côté en attendant. Et on va du coup ouvrir ces 4 boosters. Donc 2. Évolution, booster évolution, c'est de là, et 2 offensive vapeur, c'est de là, vous voyez rien, voilà. Donc là après on a la carte avec le code, donc voilà pour ceux qui veulent y aller, et on a bien sûr la plus grande carte, donc désolé si vous voyez rien, voilà, je peux même pas la montrer en entier, c'est comme la dernière fois, quand j'avais fait pour... Peut-être même pas plus bas. Donc c'est comme la dernière fois que j'avais fait sur le coffret de... Ah bah là on la voit parfaitement. Et ma main à côté, elle est toute petite quoi. Au pire, à côté d'une taille de carte normale. Donc là je les mets l'une sur l'autre. Elle est minuscule. La vraie est minuscule à côté de ça. Mon chat est en train de regarder je sais pas quoi là. Bref, donc voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu toutes les autres vidéos d'avant qui viennent d'arriver, allez les voir. Après, il faut que ça vous intéresse, bien sûr. Hein. Si certaines personnes regardent cette vidéo, ça veut dire que vous aimez bien les Pokémon. Donc, autant regarder l'autre vidéo du coffret Reflex GX. Là, c'est Dracaufeu X. Il faut que je m'habitue. Donc, on va commencer avec les offensives vapeur. Donc, celui-là, au pif. Hop. J'ai pas triché, hein. C'est juste pour l'ouvrir parce que c'est un petit peu galère. Donc, le petit code d'abord. Donc, voilà le petit code pour ce booster. Voilà. Donc, alors, 1, 2, 3, 1, 2. Pour garder la plus belle en dernière. Ou en avant-dernière, ça dépend si c'est une turbo ou pas. Donc, on commence avec Ferro-Singe. Démenta. Farfuret. Granivol. C'est que je suis pas habituée avec les noms, donc faut pas être méchant avec moi. Méchante. Ensuite, passe rouge. Guerriaigle. Pifeuille. Il y avait une peluche. Galopa. Très joli. Ah, bah on commence direct avec une turbo, tiens. Et derrière, c'est Clamiral. Donc, super, elle est trop belle comme turbo. Donc, c'est Vietal Turbo. Moi, je l'appelle comme ça, un Vietal. Je sais pas comment on pourrait dire. Mais on commence avec une turbo. Elle est trop belle. Et non, mais c'est génial. Dès le premier booster, une turbo directe. Donc, c'est une ultra rare. C'est génial. C'est cool. Ça pourrait rejoindre le classeur. Voilà. Avec toutes les belles cartes. Mais elle est belle. Faut avouer. Bon, je bouge beaucoup, je sais, parce que je tremble un peu. Voilà, elle est magnifique. Voilà. Donc, pour la première turbo. Donc, je suis super contente, là.
On dirait pas comme ça, mais en vrai, je suis contente parce que dès le premier booster, je pensais ne rien avoir ou peut-être avoir quelque chose. Mais ça, c'est rare. Oui, bon, je sais, je pose les boosters là-bas, on s'en fiche. Du coup, hop. Le petit code. Voilà. Je pose tous les codes sur le côté. Donc, 1, 2, 3, 1, 2. Pareil. Alors, on commence avec Tic. Démenta. Statique. Grelasson. Trompignon. Trousselin. Mateloutre. Lien spirituel Gardevoir. Donc là, c'est la... je sais plus comment ça s'appelle. Donc c'est Pyronil. Pyronil, je crois. Et... Oh, c'est la première fois que j'ai... une carte double type, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc c'est Megavolt. Ah, c'est joli comme carte. Comme ça, avec un côté en électrique et un côté plante. J'avais jamais eu de carte comme ça. C'est une rare. Un petit peu logique. J'en ai jamais eu. Je vous ferai une vidéo comment reconnaître les rares et les communes et les peu communes. Pour les personnes que ça intéresse, vous me direz en commentaire hein, si vous en avez besoin. Donc maintenant, on va aller avec les évolutions. Donc on va commencer avec. Donc c'est parti. Il faudrait déjà que j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Donc le petit booster là-bas. Je ne triche pas. Voilà, le petit code. Je trempe, c'est horrible. Voilà. Ensuite, donc 1, 2, 3, 1, 2. Tac, je ne vois rien. Tout ce que je vois, c'est juste des cartes de dos. Donc, on commence avec sac de nœuds. Voltorb. Énergie fée, je crois. Onyx. Starry. Machopper. Smogo. Conconfort. Chenipan. Et Canard Chichou. Bon, c'est juste une simple rare, c'est pas intéressant. En plus, je l'ai déjà plein de fois, cette carte. On va avec, cette fois, la mascotte du jour. Sauf que là, c'est méga évolué. C'est méga Dracaufeu X, là. Donc, j'espère qu'on va avoir de la chance pour ce booster, parce que c'est le Pokémon mis à l'honneur. Donc, j'espère qu'on va avoir de la chance. Bon, déjà, on a la Turbo, c'est génial. Mais c'est mieux quand on en a plus. Donc, le petit code, voilà. 1, 2, 3, 1, 2. J'ai senti un truc lisse. Après, je peux pas vous dire si c'est vrai ou faux, mais j'ai senti un petit truc lisse. Donc, Starry. Soporifique. Electek. Aspico. Magikarp. Reptincelle. Lien spirituel Florizarre. Récupération d'énergie. Entretien. Et la dernière carte. Attention, ça se trouve c'est pourri. Élector. Et électrode, voilà. J'arrive pas à lire. Voilà. Électrode. J'avais senti un truc lisse, mais en fait non. Tant pis. Bon, alors, je vais remontrer déjà ce qu'on a eu. Donc, on a eu la belle petite turbo. Magnifique, franchement. Ça fait la troisième turbo que j'ai eue. Bon, pas en ouverture, mais... De toute ma vie, en fait, tout court, quoi. La troisième. Elle est belle, quand même, faut l'avouer. Ça brille, on voit les petits effets. Donc, voilà pour la petite... Oui, c'est sûr, c'est petit. Et la Dracaufeu. Ex. Voilà. Bien sûr, je vais vous montrer la grande. J'essaie de, voilà, de montrer un peu tout qui brille. Voilà, on voit rien. Voilà, là, en fait... Au milieu, là où il y a la bouche et en haut, on voit des petits films holographiques qui brillent. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Donc voilà, et il y a la même chose, mais en grand format, en fait. On la voit même pas en entier. Mais franchement, ma main à côté de ça, c'est rikiki, quoi. Donc voilà. On va la mettre là, bien sagement. Tu ne bouges pas, petite... Grande Dracaufeu X, hein, voilà, tu es gentille carte. Et bien sûr, on a eu aussi la Megavolt que je mettrai peut-être dans mon classeur des rares, ou alors je la mettrai tout simplement
en classeur normal. Je la montre de plus près. Parce que franchement, c'est la première carte comme ça que j'ai. Mais je tremble, c'est horrible, je suis obligée de la tenir comme ça. Voilà. On voit tout le truc sur le côté. Voilà, on va plus. Non, je rigole. Bon, allez, comme ça. Voilà. Mais punaise, ça m'énerve, je tremble. Arrête de trembler. C'est pas grave. J'arrête pas de trembler, je sais pas pourquoi. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour toutes les vidéos que je fais. Si vous ne connaissez que de cette vidéo, bah, allez regarder les vidéos d'avant pour voir si vous aimez bien ou pas, pour vous abonner. Après, si vous me connaissez depuis la première vidéo, bah, continuez à être abonné. Ou alors, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous encore. Hein. Encore. Pourquoi je dis encore? Abonnez-vous tout de suite, c'est tout simplement. Ensuite, mettez des pouces bleus si vous avez aimé. C'est un peu la même chose en fait. Et des commentaires pour me dire des petits trucs, si je dois changer des choses ou pas. Donc voilà, allez, je vous dis au revoir à une prochaine vidéo.